Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétorant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Hello famille, je ferai pas 30 secondes, je sais ce que vous voulez regarder. Ma réaction sur la réaction de Safari Lobiang arrive demain à 10h. Donc soyez prêts. Écoutez-le maintenant. C'est ta tantique qui a dit ça. Viens nous dire. Faut que tu viennes nous expliquer ça. Danser, c'est facile. Mais faire danser, c'est encore plus dur. C'est ta tante encore qui est au village qui a dit ça. Qu'on apprenne à se respecter mutuellement. C'est très important. Très très important. Conan, tu ne sais pas chanter, tu es un danseur. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu sais chanter, toi. Tu sais chanter. Toi, tu sais chanter. Quand on parle de chansons coupées, décalées, là, tu n'es pas dedans. Les fans ont tendance à confondre. On n'a pas dit que Judas n'est pas peut-être talentueux. Il est talentueux, il sait jouer piano, il essaie de chanter un peu, bon, il sait chanter un peu quand même. On ne nie pas ça. Mais moi, j'ai dit, coupé, décalé là, il ne vaut rien dedans. C'est de ça que je parle. Sinon, il sait chanter, il sait jouer piano, il est arrangeur, ouais, il se débrouille un peu. Je ne parle pas d'autres musiques, non. J'ai dit, moi, il dit, mon coupé, décalé là, il ne vaut rien dedans. Coupé, décalé, qu'il lui dit, il fait là, il ne vaut rien dedans. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, d'un coupé décalé, il ne vaut rien. On n'est pas en train de nier le talent d'Ariel. Moi, je ne nie pas le talent d'Ariel. Il a talent. Il sait chanter. Oui, mais il devait s'appeler l'artiste Ariel Chéné. Pas artiste coupé décalé. Jamais de la vie. Parce qu'il ne fait pas de coupé décalé. Et puis, il dit, d'un coupé décalé, là, il ne vaut rien. Moi, il a pué d'un coupé décalé. Matin, midi, soir. Même s'il est meilleur qu'il me ressuscite, il a pué d'un coupé décalé. Coupé décalé, brut qu'on fait là. Il a pué dedans. Toi, tu parles de chansons. Toi, tu sais chanter. Tu sais chanter. Bon, ok. On est d'accord. C'est de couper, décaler, là, on parle. Sinon, ce que tu fais là, et puis on dit que tu sais chanter là, c'est très facile. C'est très facile. Je t'ai dit que ton talent là, je n'ai pas dit que tu n'as pas le talent. Tu es talentueux. Mais ton talent là, c'est pour les artistes religieux. C'est eux qui peuvent faire ça. Et c'est eux qui ont l'habitude de faire ça. Et c'est là-bas que tu as commencé à jouer piano. Donc toi, tu es un chanteur. Et puis à la base, tu n'es pas un chanteur. Tu es un instrumentiste. Un instrumentiste, pardon. Autant pour moi. Mais, tu te débrouilles dans ton mouvement. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai dit, couper, décaler, sec, sec, tu ne vaux rien. Il y a été frappé dedans, aller et retour. Même s'il dort, les yeux fermés, il te botte en couper, décaler. Tu dis que tu fais couper, décaler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Couper, décaler sans danse, c'est comme l'auto sans banca. Toi, mais tu as dit dans ta gueule, ta douba bouche là, tu as dit ça dedans. Mais tu n'as pas dit ça dedans. Faire danser, c'est dur. Danser, c'est facile, mais faire danser, c'est encore plus dur. Tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Les fans, allez-y écouter mon CD. Couper, décaler sans danse, c'est comme l'auto sans banca. C'est dans mon CD d'arrière chez nous. Maintenant, allez-y écouter, ça coule d'arrière chez nous. Danser, c'est facile, mais faire danser, c'est encore plus dur. Mais nous, on fait danser là. Tu sais qu'on n'est pas tes camarades. Donc, pas ta causer, nous. Moi, pas ta causer, moi, je ne suis pas ton ami. Mais moi, il fait danser. Voilà. Moi, il fait danser. Toi-même, tu as dit dans ta bouche que. Danser, c'est encore plus facile, mais faire danser, c'est encore plus dur. Toi, tu ne fais pas danser. Moi, je fais danser. Tu as vu qu'il n'y a pas match, non? Je ne suis pas ton ami. Mais moi, je fais danser. Les fans, si vous voulez discuter aussi, si vous ne le connaissez pas, on n'a qu'à compter les concepts. Comptons les concepts. Comptons les concepts. Couper, décaler sans danse, c'est comme l'auto sans banca. Donc tu es conscient que couper, décaler là, c'est danse, c'est création de concept, c'est concept.
coupé décalé, c'est concept pour faire danser les gens. Les deux trucs que tu as dit que sans ça, coupé décalé, peut exister là. Faire danser, c'est encore plus dur. Et puis, coupé décalé sans danse, c'est comme l'auto sans banca là. C'est dès la moyenne associée qui est fait. Donc, tu vois qu'il fait du vrai coupé décalé que toi. C'est de ça qu'il parle. Et puis, il fait ce qui est plus dur. Toi, tu ne fais pas danser, moi, il fait danser. Donc, toi, tu me dois du respect. Énormément de respect. Je ne suis pas ton frère sans matière de coupé décalé, seulement tu es jeune pour moi. Très petit, je suis très loin de toi en matière de coupé décalé. Regardez un gars comme ça. Quand tu as parlé, les fans, on n'a qu'à commencer à compter les concepts. Moi, il fait danser. Danser, faire danser, que tu, toi, tu dis c'est dur. Ça cause là, quand tu fais un morceau, coupé décalé, que ça ne marche pas, tu fuis en mettant dans le zouk. Tu fais un morceau, quand ça marche, tu fais zouk pendant 2 ans. Tu fais un morceau, coupé décalé, quand ça ne marche pas net. Tu fuis, tu t'en fais zouk pendant 2 ans. Après, tu fais un morceau coupé décalé. Quand ça marche pas, tu fais zouk pendant 4 ans. C'est quelqu'un qui fait coupé décalé. Moi, il fait danser. Les fans, c'est qui dit c'est Dieu là, c'est ce que moi il fait. Donc lui, là, il doit me respecter. Au calme. Je ne suis même pas son frère sans. Nous, on fait ce qui est Dieu. Si vous voulez, on n'a qu'à compter les concepts. On n'a qu'à compter les concepts. Comptons les concepts. Qui a plus de concepts? Bon, commence. Ouais, toi, allez, tu as combien de concepts qui ont marché, qui ont fait danser les Ivoiriens? Ok. Quoi là même? Peut-être. Ah, peut-être, non. Et puis, à quoi même? Ah, peut-être. Simpa. Et quoi même? Kadigbe. C'est 3 seulement. Concept dansant coupé décalé. Et on dit, bon, pingouin. C'est ça, non? Bon, peut-être 4. 4 concepts qui ont fait danser les Ivoiriens. Pendant des nombreuses années, 4 concepts seulement, tu dis tu fais couper décalé. À part ça, ce qui a marché dans ces zouk, on ne parle pas de ça. Moi, parce qu'il y a 4 concepts seulement qui ont fait danser les Ivoiriens. Bon, moi, on n'a qu'à compter. En 2 ans seulement, ce qui est montré. En 2 ans. En 2 ans, ce qui est montré. Commençons même par me chier d'abord. Et si on veut prendre les anciens là, pour venir compléter là, tu n'es pas aidé. Donc, on laisse les anciens là. Maïchi, Gratam, Tchen Tchen, Li, Goumouli, Woyo Woyo. Il y a quoi encore là-même? Il y a trop de concepts. Abougo. Il y a trop de concepts. Bon, restons sur les 5 là-même d'abord. Tu as vu que je ne suis pas ton ami. Il y a trop de concepts. Donc, toi, tu ne peux pas du coupé d'égalité. Tu es un artiste. Chanteur ou un artiste musicien, mais tu fais pas du coupé décalé. Il faut qu'on soit clair là-dessus, quoi. C'est de ça que je parle. Quoi, tu chantes? C'est que tu fais à nous tous, on peut faire ça. C'est le plus facile. Mais tu connais coupé décalé, comment c'est dur. Pour faire coupé décalé, il faut avoir plusieurs voix. Moi, j'ai plusieurs voix. C'est payé vendre mon coupé décalé que je suis gamé dessus. Sinon, ce que tu fais là, c'est rien même. C'est comme rien. C'est comme l'eau même. J'ai été levé. Je suis fort dans le piano. Je suis fort dans le piano. C'est le premier point d'abord. Tu dis, c'est pas chanter là. C'est ça, il était dit comme ça. La force du coupé décalé. Même le Zeus, lui qui t'a fait et puis tu l'as trahi après là. C'est danse, création de concept. C'est ça il a fait. Et puis tu as couru pour venir te cacher en bas de lui et puis il t'a soulevé là. C'est ça, c'est même chose qu'il a fait. Mais pourquoi toi tu fuis? Parce que tu es un lâche. Tellement tu es un lâche même là. Tellement que tu vaux rien, tu es un loser, tu es un paresseux, ta tête est vide là. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un petit discours, lui, maintenant, tellement tu ne peux pas te fabriquer toi seul. Tu as sauté maintenant dans la main de Sony. Pra! Mais est tout Sony qui est derrière toi là-haut. Est tout piano que tu dis tu connais. Ordinateur que tu dis tu connais. Les blancs, là, les mots de Sony, ils t'ont mis dans toutes les conditions. Mais tu ne vaux rien encore. Tu ne peux pas faire sortir des vrais trucs. Tu ne peux pas créer un vrai morceau coupé décalé sans plagiat. Pardon, sans piagia. C'est ça, on dit quoi, mais piagia ou bien plagiat ou bien quoi là? C'est piagea. Sans ça. Donc pour toi, la clavier et puis on a qui dit que tu es fort dedans, après ça, il y aura ta pile là.
Toi, pour toi, là, c'est piaget sont les gens, là. C'est ça qu'on appelle être fort d'ordinateur. Malgré tes forts d'ordinateur, là, toi, tu as apporté quoi au coupé décalé? Tu as apporté quoi? Tu es fort d'ordinateur, tu es fort dans le clavier. Tu as apporté quoi? Tu n'as rien apporté au coupé décalé. Petit, c'était moi, il y a un Sony derrière mon universal. Il était loin. Tu ne vaux rien. Les fans, depuis les euros, vous avez combien d'années lu les euros? Yoro vous a dit ici, non? Que depuis 2000 combien à son premier concert, vous lui avez voté lesquels là? Allez, j'étais là, il jouait. Lui que tu jouais derrière lui, c'est quoi? Il fait ses zoups. T'es coupé, décalé, brut. Yoro, vrai danseur, vrai baer, vrai esprit de créativité. C'est pas l'homme. C'est lui là, tu as vu. Et puis parmi tous les artistes dans le pays du monde, tu es allé courir derrière lui. Lui lécher le cul et puis il t'a fait sortir de la terre, mais tu l'as trahi. Il y a lâche que toi, il y a malhonnête que toi. Oh, tu es lâche et malhonnête. Moi, toi, tu es. C'est-à-dire que il y a longtemps tu es dedans. Comme nous-mêmes. C'est-à-dire que je vous explique, les fans aujourd'hui. Quand on dit que nouvelle génération, mais quoi là? C'est par rapport à la date de ton moussement, où tu as commencé à mousser. Sinon, si c'est ça là. Allez, chenille, où tu dis que moi j'étais mis dans la musique là? C'était en quelle année? À l'école. Où on prenait ta défense là? C'était en quelle année? Tu n'as rien dit? Non, parce que quelqu'un a commencé à couper des galets il y a longtemps. Donc il est vu en même temps. Non. Tu vois bien qu'on a même, on a fait même classe. Et qu'on est ton âge, tu connais mon âge. Donc tu sais qu'on est promotionnel. Mais. Il n'est pas rentré dedans. Mais en esprit là. Coupé, décalé là. Quand il t'a appris là-bas là, toi là, tu as pris ça au sérieux. Tu es parti. Tu as commencé à jouer piano. Tu as commencé à faire les mouvements. Tu étais plus à fond dessus que moi. Parce que moi, j'étais entre la gendarmerie, l'école et la musique. Je n'étais pas trop concentré. Mais toi, tu étais déjà concentré. Tu étais déjà pianiste. Tu étais gamé dessus. Moi, je faisais ça pour m'amuser à l'époque à l'école. Et puis tu es rentré dans le moyen, on a commencé à te mettre dans les flous. Aujourd'hui, tu viens te comparer. Tu es jeune. C'est ceux qui ne connaissent pas la réalité là qui vont parler. Moi, si gamin, tu m'as coupé les galets, c'est tout. Mais sinon, toi, tu n'as pas voix que moi. Wallah, il est là. Tu chantes pas. Ta voix là, ça ne sort pas d'ici. Non. Donc, les fans, je vous explique. Moi, j'étais entre l'école et la gendarmerie et la musique. C'est-à-dire, je me cachais pour aller chanter. Mes parents, mes brossaient. Ils ont appris qu'ils me voulaient pour aller chanter. Donc là, et à chaque fois, ils me babouent en piste. Donc je suis obligé d'aller chanter la nuit. Les cuitas que vous avez vu là, ils faisaient ça en cachette. Hein. Je sors la nuit, je fais coup avec mes grands frères. Je saute côté, mais je chante. Et puis je reviens. Je saute côté, je dors matin, bonheur. Il fait comme s'il était à la maison. C'est là, il fait sortir cuitata. Eh, yaya. Ariel Chené était déjà un Yoro. Cuitata s'est sorti quand Yaya s'est sorti quand Yoro était en tas depuis. Son premier concert l'a fait quand? J'étais lui depuis longtemps. Après maintenant là, tu es parti à Lomé. Quand tu es parti à Lomé, tu es venu là. Tu as brobro Kedivara, les Moromoro, tu as travers eux. En quelle année? Est-ce moi parlait de moi? Après, ils ont dit Kuita, t'as payé, tu n'es pas concentré, ils faisaient sortir les sons comme ça. Donc comme ils n'étaient pas concentrés, ça ne prenait pas trop. Les fans ont remarqué, quand ils fait sortir, et quand ils fait sortir, comment ils fait ça? Yaya. Quand ils fait sortir Kuitata. Après ça, vous avez vu qu'il y a un vide qui était là. C'est pas n'étaient pas concentré. Ben mon vieux brobrossait pour entrer forcément dans l'armée. Et puis il faisait les coups en même temps, il passait mes concours. Ben, mon vieux était gamé, il voulait qu'il fasse l'armée en grippe, lui-même c'est un mort de ça. Donc là, il était entre l'école et tout. Ma vieille m'a dit, ok, il n'y a pas de racine, il faut faire ce que nous on a demandé là d'abord. Si après maintenant, ça a réussi, tu peux être dans l'armée, en même temps tu as chanté. Moi, il dit, nous il était gamé. Mais il me brissait pour chanter, il n'était pas concentré. C'est là, rien chaîné, dans le vide là, quand il vient de faire, comment on appelle ça? Puis tu as fait yaya. Dans le vide là où il n'était pas concentré, comme il vous dit là, mes parents me brossaient. Donc il dit bon, ok, il y a dosé, il a fait les sons comme ça dans le billard. Et puis après, quand il a fini de faire ce qu'il veut là, on commençait à. Il a commencé à me concentrer. Donc dans le, c'est dans le vide là. Arrête Chenet est sorti. Yoro a pris. Et puis Yoro lui a dit un nom. Yoro lui a dit un nom.
Il a commencé à faire sortir des petits sons, ça a commencé à mousser. Moi, il y a longtemps, dans mon vieux maintenant, là, arrivé un moment là, il a libéré, il dit, bon, comme tu veux pas, c'est pas gâté. Et qui est sûr, on dit que tu es à jamais, entre à jamais, puis à Bobo, tu fais la navette. Ça fait 5 ans, on te cherche, on te voit pas. Qu'il faut venir, tu vas faire ce que tu veux là maintenant, nous on voit. C'est là mon vieux m'a donné un champ libre. Quand mon vieux m'a donné un champ libre maintenant là, je suis allé maintenant faire sortir le morceau que vous avez écouté, Poa. Quand il fait Poa, après il a sorti Plotonaio SH Vélo. Quand il finit de faire sortir ça, c'est là qu'il fait sortir Moyen Chié maintenant, il commençait à alimenter. C'est-à-dire que les années que j'ai perdu, pendant combien d'années, il n'était pas pimpant. Il n'était pas trop concentré, mais il faisait des sons un ton pour me maintenir là. C'est-à-dire que toutes ces années, il a rattrapé ça en 2 ans. Il a rattrapé ça en 2 ans. Mais toi, Ariel, tellement tu voulais, tu étais un baobab, un lion. Mais tu n'as pas pu casser œuf. Tu n'as pas pu dépasser tout le monde. Si moi j'étais lui à ta place, il n'était pas l'homme à l'air là même. Il était dans les cieux. Il t'a donné toutes sortes de noms. Toutes sortes de noms. Mais tu n'as pas pu piquer. Tu as fait quand tellement tu es un faible, tu es un loser, tu ne vaux rien là. Je suis venu en 2 ans, comment on va m'a laissé quoi? En 2 ans, il a rattrapé tout ça. Et puis il t'a mis derrière moi. Toi, dans coupé décalé, tu es derrière moi. Je suis trop en avance que toi. Que il était pas un loser, il ne traînait pas dans la boue. Ah, Lomé là, tu traînais dans quoi? Tu traînais dans la boue, il y aura là, Lomé, tu as attrapé son pied à l'hôtel pour dire, quand tu fais venir, comme tu as joué dans son premier concert, puis tu étais le bon petit, son vieux t'a envoyé pour jouer dans son concert, il a sciencé, il t'a fait venir à Abidjan. Fabien, tu l'as montré là, toi, mais tu n'as pas vu. Tu es maudit. Oh, il n'était pas trop dans la boue. Qui est fort dans le piano? Tu es fort dans le piano, oui. Si moi, j'étais fort dans le piano, j'étais fort dans l'ordinateur. Comme tu dis, tu es fort dans l'ordinateur. À cause de nous, tu allais payer. Comment on appelle ça? Guitare en piano pour venir pour nous montrer que tu es dangereux là. Il n'y allait jamais plager. Il n'y allait jamais plager le son des gens. Parce que. Il sait jouer et puis il connaît l'ordinateur. Donc, il est créé pour moi-même. Quoi? Quelqu'un qui connaît l'ordinateur, quelqu'un qui connaît le clavier, et puis c'est un piageur comme ça, c'est qu'il ne vaut rien. Hein, tout Sony qui est dans ton cul là, tu ne vaut rien. Mal. Moi là, je n'ai pas studio, les femmes. Moi, je paye. Studio, je paye. Hein, mon argent, et puis je chante. Mais malgré que je paye, hein, mon argent, et puis je chante. Et c'est en tac que toi. Ce n'est pas un débat. Je suis rapide que toi. Je suis en tac que toi dans les concepts. Ce qui est plus dur que tu dis, c'est dur là. Faites danser là. Moi, faites danser les gens. Mais il n'est pas studio. Il n'est pas Sony derrière moi. Je me produis moi-même. Je n'est pas producteur. Depuis qu'il a commencé, il n'est jamais un producteur. Voilà. Jamais. Si tu m'as vu avec quelqu'un, c'est que peut-être on était en coproduction. C'est-à-dire que moi, je fais mes sons, je fais mes clips. Lui, il s'agit de faire la promo. Sinon, il n'est jamais un producteur. Jamais de la vie. C'est moi seul. Moi, c'est un garçon. Hein. Moi seul. Toi, Sony paye ton studio. Ils ont payé tous les instruments de musique pour toi. Ils payent ta maison. Hein? Mais malgré ça, tu n'arrives pas à créer quelque chose. Tu n'arrives pas à faire couper des calés. Et puis, tu piages encore son des gens toujours. Mais c'est que tu n'as pas d'inspiration. Tu n'es rien même. Tu n'es rien musicalement, tu n'es rien. Tu es un musicien, tu sais jouer, c'est fini. Chanson, il faut laisser. Mais tu n'es pas inspiré. Ah, t'as venu poser à l'homme ici pour dire que non, que oui, toi tu as l'image de Bordeaux, que non, toi tu assumes. Que tu as dit de Bordeaux est ton idole, non, toi tu assumes. Mon cher, on était à Vibe Radio là-bas ensemble, on nous a demandé nous deux. Toi tu as dit de Bordeaux, moi j'ai dit Yoro. Moi j'ai dit Yoro c'est mon idole, et puis assume aussi. Toi tu as dit de Bordeaux est ton idole, non, que toi tu assumes. Moi aussi, j'ai dit Yoro c'est mon idole, et puis assume aussi. Voilà. Donc chacun a l'image de son idole. Moi, je suis à l'image de Yoro. Parce qu'en 2 ans, je suis en train de te fatiguer très mal. Moi, au moins, je suis à l'image, je représente, je marche dans les traces de mon idole. Comment on appelle ça? Je le suis. Toi là, tu n'es même pas à l'image même de Debordeaux que tu as dit que c'est ton idole. Tu n'es même pas à ton image même. Parce que chanson que Debordeaux chante dans sa gorge ici là. Ah, allez, chérie, tu ne peux pas faire ça. Allez. Tu n'as pas qu'elle même. Gorge de vieux là, tu connais.
piquement de débordeaux, tu connais. Toi, tu peux faire ça. Si tu as fait ça, ton cou se coupe. Tu meurs. Tu peux même pas faire un peu même. Chantez-moi les débordeaux que débordeaux fait dans ma débordeaux chante très mal. Oh, pas ta bizarre débordeaux. Tu peux faire ça. Quand quelqu'un a l'image de son idole, là, c'est un peu, faut aller un peu dans son sang. Même si tu ne peux pas faire totalement comme lui, faut aller vers lui un peu. Dans le talent. Mais toi, tu n'as pas la moitié du talent de débordeaux. Moitié pique-nique, quoi, tu n'as pas. Mais chantez-moi les vieux morts de débordeaux là. Petit, toi-même, tu es là, tu connais. Tu connais? Pas de chanter comme lui. Si tu es garçon, laisse ton studio là. Sors dans la rue comme ça. Fais à capella que Debodo a fait à Arafat avant. Les piquements, les mains, il a fait là. Faut faire si tu es garçon. Si AVC t'a pas pris sur le champ là où tu es sorti pour faire à capella là, voilà, il change mon nom. AVC a te prendre. Tu connais Debodo? Mais moi, je suis à l'image aussi de mon idole. Et puis assume. Toi aussi, tu assumes pour Debodo. Mais il dit, moi, il dit, lui, c'est vrai, tu as su pour Debodo, mais tu n'es pas à son image. Et tu ne vaux rien, Debodo est trop fort pour toi, Yay. Pardon, fais pas. Debodo est trop fort. Chantez-moi que Debodo fait dans sa gorge ici, là, tu connais. Ça quitte dans son bras, dans sa soie ici, là. Tu ne vois pas ses piquements, ses envolés. Faut faire si tu es garçon. Moi, je ne suis pas Yoro, hein. Je ne suis pas comme Yoro. Mais il dit, c'est mon idole, je le suis. Voilà. Faut copier ce qui est bon chez quelqu'un si tu veux, mais pas copier ce qui est mauvais. Je suis pas Yoro, mais il dit que c'est mon idole, c'est ma motivation, c'est lui qui m'a motivé. Donc, je suis gamé. Voilà, on a qu'à faire les statistiques. Il y a trop fait que toi, ça fait un. Ça après, on vient dessus. Il y a trop fait que toi, je suis inspiré que toi, de la manière que Yoro était inspiré que tous ses frères sont. C'est quoi, je suis inspiré que toi, deux. Les meilleurs ont un trophée que tous ces frères sont là. C'est quoi un trophée que toi? Les deux là d'abord. Les meilleurs ont un rapide dans la musique que tous ces frères sont là. C'est quoi moi aussi rapide que toi dans coupé décalé? Les meilleurs ont fait du vrai coupé décalé là. C'est quoi moi fait du vrai coupé décalé que toi? De la manière, Yoro est créatif là. C'est quoi moi aussi plus créatif que toi? Ok. Maintenant, de la manière, Yoro est créatif là. Allons dessus. On va faire les statistiques. Yoro, il a envoyé Roukaskas. Moi, j'ai envoyé la chorégraphie synchronisée. Joël, pas les choses communiquées. Les chanteurs, ils travaillent. Faut couper déjà, venir t'asseoir. De la manière, Yoro a envoyé les Roukaskas là. Moi, j'ai envoyé pour moi aussi. La chorégraphie synchronisée. Et les danseurs bien habillés, bien propres. On va faire un. Toi, tu as créé quoi? Tu as apporté quoi dans le coupé décalé? Qu'est-ce que tu dis? Ça te donne la manière. Tu as apporté quoi? Rien. Sur ce plan-là d'abord. Dans la musique, parlant de musique, Yoro a envoyé Roukaskas et les batteries. Pa, 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 pa. Oui, ça a déjà fou. Moi, j'ai imposé et j'ai envoyé Roukaskas et boîte à rythme. Deux. Toi, tu as envoyé quoi? Harmonica des Ebena. Tu as fait combien de soins ça? C'est ce que tu apprends pour te défendre. Mais tu n'as pas fait Roukaskas, c'est ça. Donc tu vois que je suis à l'image de mon idole. Toi aussi tu es à l'image de ton idole. Maintenant, Yoro, il fait du coupé décalé. Moi aussi c'est ce qu'il fait. Donc tu vois que Ariel Chéné, tu n'as rien apporté au coupé décalé à part du piège. Ah, pas du pardon, plagiat ou bien quoi là. Ah, pas du plagiat, tu n'as jamais envoyé apporté quelque chose au coupé décalé. Un peu ordinateur, tu connais, que tu dis, tu connais un piano là, tu vaux rien. Si moi je connaissais ça, c'est qui allait sortir de ma tête. Mais à cause de toi-même là, il y a fait studio deux jours là. Pour faire studio là, c'est combien? Si tu as 5 millions, tu peux faire un bon petit studio tranquille. Il y a frappé ça à cause de toi. Et puis, hey, si il y a studio, c'est pas bon, petit. C'est qui a vous montré? Fais-moi, il ne dort pas avant. Ici, un moro noctambule. Tu soulèves les points. Où il ne sait pas, tu as quoi? Conan, trophée. Il y a eu le prix de quoi, trophée là. Brian, tu peux m'envoyer un mouchoir là-bas? Il est chaud un peu là. Tu peux m'envoyer. Jean, il y a eu un trophée
Hein? De quoi, quoi, quoi? Que non? Je n'ai pas fait tapage de ça. Je n'ai pas fait tapage de ça. Toi, tu n'as pas fait tapage de ça. Tu n'as pas crié sur tous les toits. Toi, tu es un vrai menteur. Toi, là, si ce n'est pas Yoro, là, toi, tu peux crier quoi? Tu n'es rien. Devant nous, là, tu es petit même si ce n'est pas Yoro qui t'a donné nom. Quelqu'un a mis au dos. Quelqu'un qu'on a, on a fait. Et puis quelqu'un qui s'est fait lui-même. Est-ce qu'ils sont pressants? Tu es un poule mouillé. Tu es un bébé, un paresseux, un loser. Moi, c'est un garçon. Tu as venu parler de Jeanne, tu as eu trophée. Toi, tu as parlé de trophée. Trophée, en fait, Abidjan ici, coupé, décalé. Depuis tu es né, c'est next génération qui prend seulement. Et puis, next génération, tu as pris ça comment? C'est pas que tu étais Didier, tu étais Euro. Donc, lui, en esprit, là, pour sauver son nom, il lutte pour qu'il y ait au moins une génération. Là, vous deux, vous allez avoir trophée. Et puis, c'est Zo. Première année, c'est ce que Didier a fait. Ça coûte Didier même qui a pris une génération d'abord. Ça fait un. Deuxième année, il a. Quelqu'un d'accord, tu as eu next encore. Mais deuxième année, 2018, là, toi, tu as eu next. Pour te montrer que c'est pas ton frère, c'est la moindre pris quoi. Meilleur artiste masculin coupé, décalé. C'est-à-dire que tous ceux qui s'arrêtent pour pisser, là, il était votre patron en 2018 au premier. En 2018 d'abord, tous ceux qui arrivent pour pisser là, meilleur artiste coupé décalé masculin et meilleur concepteur. Les fans, par rapport au trophée, vous allez voir les caractéristiques d'un vrai faiseur de coupé décalé. J'ai été meilleur concepteur en 2018. Il n'y a plus de trophée de ça. Tellement ici un concepteur. Coupé décalé, c'est quoi? C'est concept. Voilà. Il n'y a plus de prix de ça. Meilleur concepteur de Côte d'Ivoire. Après, puis meilleur artiste masculin. Du coupé décalé. Tellement que je suis dingue, non? RTI qui ne donne pas prix là. Et il dit mon petit, tu es trop dingue. Tiens, il faut prendre prix ça là. Donc ça fait trois prix que je vous présente. Où sont les prix là, mais attends. Je viens, attendez, ne quittez pas. Et toi, Judas, toi, tu veux me parler des prix. Hein? Toi, tu peux causer. Hein? Je vous présente les trophées de 2018. Dans mon lot là. Bon. Voilà ça. Meilleur artiste coupé masculin coupé décalé. Vous voyez ça ici. Vous avez vu? Bayan, va t'asseoir à ta place. Ça fait un. Voilà ça. Ce qui caractérise le coupé décalé. Voilà ça ici. Le concept. Faites danser les gens. Créer des concepts. Il a été meilleur dedans. Voilà ça. Meilleur artiste. Meilleur concepteur du coupé décalé. Autant pour moi. Voilà ça. Il a pris trophée de ça. Judas, toi, t'as pris quoi? Ça, c'est pour coupé décalé. Hein? Meilleur concepteur du coupé décalé. RTI qui donne pas prix là. Voilà ça. Prix de la RTI. Une reconnaissance. Un encouragement. Parce qu'ils m'ont vu batailler. Toi, c'est Arafat qui t'a fait. Reste tranquille. Tu n'es rien devant nous. Voilà. Quelqu'un qui marche. Lui-même, il prend les escaliers et puis il arrive au sommet. Et puis l'autre qui a pris l'ascenseur par le bien d'un grand frère, un dévancier, un influenceur, ils ne sont pas pareils. Toi, c'est Didier qui t'a pris comme ça et puis t'a mis en haut. Sinon, tu n'es rien. Rien de rien. Tu ne peux rien créer. Voilà. Donc, ça fait trois d'abord. Ça, c'est 2018. Hein? 2018. Là. Où Yoro a fait. Puis tu as eu next seulement. Là. C'est de ça qu'il parle. Là. Maintenant, on voit. Toi, au premier, tu as eu deux fois next. C'est next génération seulement. Depuis que tu es né là, dans ta vie, là, c'est next génération seulement qui prend. Next génération. Maintenant, 2019, que tu as parlé, tu dis tu as pris le trophée. Et puis après, c'est le vieux Gourou. Là. Faut aller le nom des vieux là dans tes directs. Pardon. Voilà pour moi. Bon, voyez mes trophées. Il y avait Heroes. Stéphane, ça fait trois. Je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça, c'est le Heroes. C'est quoi même? Prix de mérite. Ah bon, 2017. Prix de mérite 2017. Voilà ça ici. Mais Heroes, attends, mais tu as pris ça. Mais on comptait les trophées. Meilleur artiste coupé décalé, toutes catégories confondues. Vous voyez ça ici. Judas, tu es petit. Faut respecter. Dans coupé décalé, tu es petit. Voilà ça. Zouk, même que tu fais là, tu n'as rien pris de trophée de ça. Moi, il dit, il fait du coupé décalé. Et puis, il prend trophée de ça. Il dit, je suis concepteur dans coupé décalé. Il prend trophée de concepteur. Il dit, il fait coupé décalé. Il prend trophée de ça. Voilà ça.
toute catégorie confondue, champion du tout la Costa, il n'y a pas l'homme. Voilà ça ici. Meilleur artiste coupé décalé. Pour couronner le tout là. Primus d'or. Voilà ça ici. Voilà ça. Petit, je ne suis pas ton ami. Hein. En rien du tout, je suis ton frère ça. Voilà. Maintenant, ça c'est un prix aussi où tu n'as pas eu. Tu as tapé poteau encore. Voilà ça. Il était dépassé là-bas encore. Voilà clé là. Clé que tu rêvais d'avoir. Là. Voilà ça. Et puis tu es allé t'asseoir au primus là-bas. Là. Vous êtes là. Oh, c'est quoi là même? C'est un jeu et c'est pas quoi là. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, mais quand il y a primus là, tout le monde s'en s'assoit là-bas et tout le monde dit à ses fans de voter. Hein. Ah, c'est comment? Ça n'a pas d'importance, mais on doit s'intéresser à ça. Tu as vu non? Que, si tu veux parler de trophée, tu es jeune. D'abord. Primus là, on est trois à prendre ça dans le monde entier. Il y a le Zeus qui a pris ça deux fois. Il y a le Zeus, il y a Beno et puis il y a moi. On est trois. Donc je ne suis pas ton ami d'abord. Avant de causer moi là, prends tout ce qui est pris là d'abord et puis on parle maintenant. Voilà. Mais il faut aussi le net là. C'est tes fans virtuels là qui te blaguent. Sinon quand on sonne deux, tu connais qui a dit Jamana. Qui est l'homme? Qui est Jafoul? Tu connais? Il dit? Il est conscient de ça. Tu es conscient de ça. Il est trop conscient de ça. Naka dit c'est faux. Tu es conscient de ça. Quand tu as dit que tu es un lâche. On a là la radio ici, on t'a vu. Quelqu'un qui t'a fabriqué. On demande qui est ton idole. Qui dit c'est son concurrent. Il n'y a pas de problème. Donc là, toi, tu étais quoi? Tu étais très lâche. Tu es venu déborder de ton idole. Mais fallait aller chez lui. Donc tu es venu chercher la porte chez Arafat. Et puis maintenant après tu le trahis. C'est-à-dire que toi tu l'as trahi depuis longtemps même. Et quand tu l'as trahi encore maintenant. Moi je n'ai jamais été élu. On avait de bons rapports, c'est fini. Parce qu'il m'aimait en tant qu'un périphérique qui travaille, c'est un gros brosseur. Parce que lui et moi, on a fait à peu près le même quartier. Mais si Didier vient perdre quelqu'un là, c'est moi-même. Si Didier vient perdre quelqu'un là, c'est moi-même. Olo Pachas, il est témoin. Il dit, mais trop mon affaire. Il m'a toujours dit, petit, si tu as un moment, viens, on barre ensemble. Il y a feuille. C'est moi qui lui ai dit, non, viens, comme il y a Diamana chez toi, tu as déjà pris assez d'artistes pour les aimer chercher mon seul. C'est pas gâté. C'est qui est celui-là? C'est mon vieux. Si tu peux m'aider quelque part pour s'y assez. Voilà, c'est que tu as besoin de moi, ici, là. Tu attends? Et puis tu as fait discours à lui, là. Bon, il y a des gens comme ça. Et puis tu as fait. Et puis. Tu as fait discours à lui. Bon, quand toi-même tu réfléchis, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas avant de parler ici. Il y a d'autres qui ne réfléchissent pas avant de parler ici. Hein. Qui t'a dit, qui vous a dit, qui t'a dit, bon, toi il répond à ton commentaire maintenant. Toi qui t'a dit que moi je vais discours à lui. On dit les gars du coup on fait discours, tu dis toi tu as fait discours à la face. Quand la face avait direct, tu as vu son œil était enflé, ou bien ses lèvres étaient enflées, ou bien son nez était cassé. Non, on dit que c'est les gros bras qu'ils ont battus. Sinon lui et moi, il n'y a jamais rien eu. C'est vous les gens comme ça là qui ont dramatisé l'affaire pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Sinon, aux hostilités de Didier là, il devait être là-bas. Mais c'est pas gâté. Il n'a jamais eu discours à lui. Voilà, il est toujours soutenu. C'est un vieux père, c'est un vrai bosseur. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a motivé. C'était ma source d'inspiration. Et puis c'est resté. Et puis continue de courir encore. Couper de galets, c'est pour les garçons, c'est pas pour les femmes. Voilà. Judas, pas qui est concerné. Quand Arafat a dit ne comparez pas les femmes et les hommes du pays de galère. Toi-même, c'est de toi, mais vous ne voulez pas. Tu es une femme. Tu es moum. Tu n'es pas garçon. Tu es fan de profiter pour avancer. Moi, je n'ai pas profité. Hein. Toi, Bidjan m'a vu ici dans mes taxis, dans mes nombreux taxis. En train de lutter. Et puis il est l'homme. Malgré, il était en trois choses. La gendarmerie, l'école et la chanson. Quand mon père m'a libéré, on ne pas demander. Toi, quelqu'un en prison mis comme ça, toi t'as venu parler à nous. Quelqu'un qui monte sur la bosse, qui est monté sur la bosse du chameau pour cueillir la mangue. Et puis quelqu'un qui a grimpé le mangue et puis lui-même l'a cueilli. Ils sont même chose vous-même. Pardonnez, dites. Donc si le chameau est tombé, tu ne manges pas, tu peux plus manger. Mangue, tu es mort. La preuve. Paix à son âme, Didier est parti. Voilà. Primus, oui, il a pris tout là. Tu n'as rien pris. Si Didier était là, au moins tu allais prendre Next. Ben, il est.
il est dit, oh, il est voir les fans, il est déboosté. La preuve, Didier n'est plus là, tu n'es rien, tu peux même pas créer quelque chose. Faible, 50 millions de vues maintenant, on voit. Faut faire. Si tu as qu'à faire. Sans Didier, tu n'es rien. On t'a dit, c'est Didier qui t'a fait. Tu dis, c'est faux. Il n'est plus là. Le chameau que tu montais, c'est sa bosse ou qu'il manque pour te nourrir là. Bon, il n'est plus là, paix à son âme. Tu es seul. Tu vois, non? Quand Didier était là, tu prenais au moins next dans la commune. Il n'est plus là, là. Zéro. Le jour que moi j'ai pris tout, là. Tu n'as rien pris. Même manager, on est meilleur que toi. Même danseur, on est meilleur que toi. On a pris meilleur de ça. Artiste encore, on est venu te frapper encore. Là, c'est dit que c'est Didier qui te faisait. Faut accepter ça comme ça. Il n'est plus là. Tu peux rien créer. Tu es mort. Tu es vide. Tu n'es pas créatif. Tu n'es pas courageux. Et puis tu joues les impolis encore. Je ne sais pas. Tu es fan de te jouer les victimes. Genre, tu pleures. Et c'est comme ça. Je vous explique aujourd'hui les fans. La stratégie d'Ariel Chéné. Il est fan de se jouer les victimes. Les victimes, genre, c'est lui en attaque. C'est comment, mais pourtant, c'est lui l'attaque en bas. Il vous a dit ça ici. Il vous a dit. Il nous a dit même. Ça arrive. Oh bon, regardez ce qu'il voulait faire. Toi, tu as fait direct sur quelqu'un. Tu as levé un discours avec quelqu'un qui est moi. Ok. JJK, son mouvement, il a mis sa main sur toi. Les gens ont partagé la vidéo. Je ne sais pas c'est quel commentaire qui est parti là-bas. Il y a foi. Est-ce que tu étais obligé de faire direct le lendemain pour parler à Vieux Morolas? Ce n'est pas ton frère, ça. Ce n'est pas ton ami, même. Si c'est vérité, à nous tous, on s'est dit. Pourquoi vous ne vous servez pas de regarder pas l'erreur des autres, mais pour essayer de soigner un peu, un temps soit peu, votre mentalité même. Moi, on dit que non, tonton Bouba, c'est quoi, moi, j'ai fait ça ici, là. Est-ce qu'il a insulté le vieux? Non. Mais les Ivoiriens m'ont dit que non, on n'est pas allé à ça. Mais c'est pas ton frère, ça. Il me suis mis à genoux à Paris, il dit, ah, papa, faut m'excuser. Et puis, s'il est là encore, même là, il m'excuse, le vieux, pardon, faut m'excuser. L'erreur est humaine. Mais quand on dit erreur là, ça ne veut pas dire que ça doit devenir ton habitude. Mais toi là, tu aimes te jouer les victimes. Jean Akwame va faire direct sur toi. Et puis moi, je fais direct sur toi. Et puis on dit, oh, ils sont deux contre Chéné. Oh, Chéné même. Et puis les Ivoiriens vont venir derrière toi. Parce que les Ivoiriens, c'est des gars, ils sont beaucoup sentimentaux. Si tu es la victime, tu as plus de chances d'avoir leur soutien. Parce que les Ivoiriens sont très sentimentaux. Les Ivoiriens, ils font les trucs, ils insultent, ils parlent mal. Hein, mais ils sont très sentimentaux. La preuve en est, quand un de là à qui s'est attaqué, vous ne voyez pas. Vous-même, vous n'avez pas vu pour Vital. Voilà. Donc, comme Ariel Chéné, c'est ça. Là. Il se met derrière. Il se joue les victimes pour avoir la compassion des Ivoiriens. Pour avoir le cœur des Ivoiriens. C'était ça qu'il a fait à Arafat. Moi, tu as fait ça avec moi. Tu voulais mettre Jean Akwame dessus. Viens là. Il ne t'a pas donné le nom. Il n'a rien répondu. Il t'a laissé avec moi. Donc, viens ici. Viens. Il nous a laissé. Il a été réglé à la montée à l'heure. C'est moi qui t'ai amusé. Il parle de quoi, non? Toi, tu parles de quoi? Les Ivoiriens, ils nous aiment, nous tous. On a à peu près les mêmes fans. C'est les mêmes là qui se promènent. Les Ivoiriens nous aiment, nous tous. Ils aiment les artistes. Quand un artiste a attaqué, là, vous ne voyez pas comment les Ivoiriens sont en tas. Même quand ils sont attaqués. Mais c'est toi toujours là. Tu veux que. C'est-à-dire que toi, tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à t'appartenir, toi seul, n'ont qu'à rester toi seul. Faut pas ils vont aller derrière tes camarades artistes aussi pour les soutenir. C'est-à-dire que toi, tu es le roi même du monde. C'est-à-dire que c'est toi qui as toujours raison, c'est toi qui es toujours la victime. Non, toi qui es parfait. Au début là, il y a dit au début, il y aura dit. Mais on a joué les têtus. Mais nous, on est des gamins. C'est-à-dire qu'on est des gamins par rapport à lui, quoi. On est ses petits frères. C'est de ça que je veux parler. Gadio, tu aimes de jouer les victimes, on dirait que c'est toi qui souffres, c'est toi le maudit même. Tu vois mon direct qui est fait là. Il n'y a pas mouvement. Mon direct qui est fait là. Toi, tu n'as pas plus de muscles que Didier Lewis. Tu n'as pas plus de muscles que Baby Philippe. Tu n'as pas plus de muscles que Kérosène. Les Didier Mix, ils ont plus de muscles que toi. C'est des vieux mogos. Et ils n'ont pas parlé. Hein. C'est toi qui as venu parler. Et puis on parlait. Il y a des gens qui ont dit tu cherches Bursi Chéné. Entre moi et puis Chéné là, qui est en bonne situation. Qui est dangereux? Qui a beaucoup de gombo? Qui a bonne position? Qui est son ami? Coupé, décalé même là. Il est ici devant lui. Regardez le staff qui est derrière moi. En lui et moi qui a bonne situation. C'est celui qui a cherché Buzz. Qui en avance même, c'est ce qu'il voulait dire. Qui en avance, qui est son ami? Toi, un plaisantin comme ça,
toi tu as venu t'asseoir. Père à son âme, même le grand Didier, il a parlé de moi, de son vivant, en direct comme directement, indirectement comme directement, pardon. Mais il n'a jamais répondu. Toi, tu as quel buzz? Quand on dit le Dagaba des buzz, le Babaché des buzz, là, c'est Didier. C'est Yoro. Il est décédé, il a pas un sac. Donc toi, là, pour toi, là, pour le laisser. Maintenant, comme je te jouais les gangs en bas, là, moi, je t'ai montré qu'il était descendu à 40%. Il t'a mis, il t'a mis à 0%. Il a déchaillé ta batterie à plat, d'un coupé décalé. Yoro. Moi, je n'ai pas, j'ai buzz sur le Dagaba des buzz. C'est-à-dire que même Yoro Debordo, même collé. Donc imagine-toi le buzz. Et moi, dis si petit, tu as foutaise. Moi, on fait un concert, tu soutiens quelqu'un d'autre, quoi. Non, tu as foutaise. Si vous voulez buzz, là, c'est les deux là qui font vrai buzz. Si vous voulez buzz, comme vous, il y a d'autres qui viennent dire ici que tu cherches buzz, là. Moi, il allait me. Ça dit que. Il allait répondre. Que vous êtes quoi, vous êtes quoi, vous êtes quoi. Mais non, il ne vit pas de ça. Je me suis mis à genoux, dit, allez, vous pardonner, science. Je ne cherche pas buzz. Yo, maïs de mon pied. Il a dit des moments. Je pouvais répondre et puis ça a dit buzz. Là, non, mais c'est ça qui est vrai buzz, mais il prend vrai buzz. Il n'est pas fait ça, hein. C'est toi un drogué toxicomane sale, toi. Là. C'est ça, moi, toi, moi, je cherche buzz sur toi. Les prophètes qui écrivent, ils sont au fait, je ne sais pas, mais il y a d'autres là qui ne sont pas trop bien dans leur tête. Voilà. Quelqu'un, depuis le vivant du dernier du coupé décalé, il a moussé quelqu'un sans buzz, il a moussé Maïchier sans buzz, il a moussé combien de choses sans buzz. Donc avant, là, il ne pouvait pas faire buzz, avant, il ne moussait pas, il ne pouvait pas faire buzz, mousser aussi. On ne parle pas de la réalité, on parle de la vérité, vous venez dire que buzz. Moi, je n'ai pas besoin de buzz. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Mais il dit la vérité à Judas. Et Judas, lui, c'est ma catégorie, c'est mon frère sang. Donc lui, la foutaise. Si il est, si c'était un bébé là, il ne pouvait pas répondre. Ben, les bébés là, on n'accorde pas d'importance. Souvent, tu dois les fesser, c'est tout. Mais si c'était un grand frère aussi, c'est pas trop bon. Ils vont dire, bon, ton grand frère, tu es impoli, comme tu l'as fait à Jessica là. Mais toi, seulement, tu es catégorie et moi. Et puis, en esprit même là, on a fait les bains ensemble. C'est-à-dire qu'on est amis. Donc toi, il ne peut pas te laisser. Ben, tu fais exprès de ne pas connaître ma folie. Mais tu connais qu'ici, un déréglé mal. Mais elle te prend musicalement. Que toi, ouais, avant de monter sur scène, tu fumes drogue. Toi, Jessica, si tu as bu, c'est pas alcool seulement. Si tu te mets bien aussi pour nous dire, toi, tout le monde est drogué comme toi. Tu penses tout le monde est drogué comme toi. Regardez mes yeux. Regardez mon teint. On reconnaît un vrai drogué par son teint. Mais il est sale. Un vrai drogué. Il est sale. Et puis, on sait que c'est pas bonne drogue, toi, tu fumes. C'est les zèbres, les sécoutourés, là. Toi, tu fumes. Sinon, les vrais drogués, même là. Ils sont tous jegués, laisse toi là, toi tu as bon que. Mais ils sont jegués. Les zèbres séchés, les sécoutourés que tu fumes là, tu dis que. Non, oui, non, moi c'est quoi, Tu penses à tout le monde qui fume ça. Je ne fume pas et bois pas, tout le monde sait ça. Tellement tu as peur de moi, tellement que tu es en tas d'en couper, décalé, si la scène, tu peux me drogue. Je te comprends. Mais je suis trop en tas, je suis pourquoi moi si la scène là, il m'en fout, ça pète. Pour moi c'est naturel, moi mais il est sans chaud même naturellement même. Mais il y a un très grand cœur, un très bon cœur. Que moi, que oui, hein, des drogues, que quoi, quoi, moi. Petit, ton entourage qui est autour de toi là-bas, il y a beaucoup qui me connaissent. Comme tu as dit, il y a beaucoup qui t'appellent. Il faut leur demander s'il y a déjà pris. Même boisson. C'est très rare. Moi, je bois sucré seulement. Combien produit cette énergie. Tous les bars là, ils savent. On m'a jamais invité, puis il dit envoyez-moi un champagne, envoyez-moi un Jack. C'est toi, tu es le soulard drogué. Tu es un drogué toxicomane sale. Il ne peut pas faire clash avec toi. Oh non, pour me descendre là. Pour me descendre, pour être égal à moi. Tu sais danser, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour me descendre là. Si tu as pu chanter, là tu as tué. Petit, avant toi là, pour te descendre seulement, il y a besoin de savoir chanter. Non, mais c'est que tu as descendu, tu es déjà descendu. Il sait très bien chanter. Voilà, il y a voix que toi. Moi, il y a plusieurs voix. Je vous dis ça, je te dis toi. Il y a plusieurs voix. Quand vous écoutez mes chansons, là, toutes les voix qui sont là, c'est moi seul qui fait ça, et ma gorge, et mon ventre. C'est moi qui fait ça. Décalé, et woyo woyo, là, c'est la même voix qui chante. Non. Quand vous écoutez Siri qui diabate, Damana, elle chante de noir, c'est la même voix qui a pris pour chanter Tchin Tchin.
Et ma, regardez, remarquez dans mes sons, il y a une voix d'animation et il y a une voix de mélodie. Tout ça là, c'est moi seul qui fait ça. Donc si c'est chanté là, j'étais déjà, tiens, descendre, mais il sait très bien chanter. Mais ce qui est pour moi là, c'est coupé, décalé, donc ici dedans. Comme toi, tu es devenu entier, c'est Zouk qui chante. Tu fais, je sais pas quoi. Faut, on te donne une guitare, tu es allé à Hawaï, tu as t'asseoir, ou bien guitare, piano, faut payer petit là, tu as t'asseoir à Hawaï. Tu as joué, joue, et puis ils vont écouter. Non, coupé de galère, tu crées rien dedans. C'est bien, c'est coupé de galère qui me donne à manger. C'est ça qui est pour moi. C'est ça qui vient de chez moi. Quand tu fais coupé de galère traditionnel, et pour que les blancs dansent, il faut raffiner le coupé de galère là. Quoi, quoi. Raffiner le coupé de galère quoi? Hier, on t'a dit que ces morceaux-là, blanc n'a pas dansé ça. Coupé de galère brut. Mais hier, on a pris tous les trophées, que tout ce que tu appelles raffiné de coupé de galère, plus trophées que tous. Il a eu l'un que tous. Et puis il a eu succès que tous. Un coupé décalé brut. Voilà. Les chanteurs mandingues, ils prennent les Grammy Awards ou bien quoi là. Ils prennent les vrais trophées, mais ils n'ont pas. Ils sont restés toujours dans les chorales, dans les. Ils sont restés dedans. Et puis ils ont pris les trucs, les Oumu Sangaré là. Sidi Kila, il est resté à sa chorale. C'est les 10 de platine. C'est des trucs. Toi-même, tu n'es même pas arrivé quelque part. Même. Moi, mais tu dépasses un trophée. Donc lui-même là, tu connais déjà. Ça, soit salut mon ami Sidi Kila. Depuis le Mali. Il est resté dans sa chorale, mais là il y a les trucs qu'il faut raffiner ça. Reste dans ton coupé décalé d'origine. Et puis tu supplantes le monde. Et ça. Quand tu finis maintenant, on dit ouais, lui là, c'est le Vatican, c'est tant. Et puis maintenant là, tu peux aller dans d'autres styles. Mais d'autres styles là, faut pas aller voler d'autres styles déjà. Faut créer. Arafat a fait quoi? Arafat a supplanté le monde entier et le coupé décalé. Il a au moins 200 sons dansant dans tout le monde entier, coupé décalé brut. Quand il était fatigué maintenant là, parce qu'il a trop fait pour le coupé décalé là, il dit il va créer un autre style de musique qui est afro, trap décalé. C'est ça qu'il a commencé là, créer. Mais malgré ça là, il y a décalé dedans. C'est ça qu'on appelle vendre l'image de son pays, vendre ce qui vient de chez lui. Mais toi, tout ce que je dis là, ça ne vient pas de chez toi. Si ce n'est pas Naïa, c'est Zouk. Si ce n'est pas Zouk, c'est quoi encore? Même traditionnellement, tu t'as plagié encore. Et chanson des Ghanéens là-bas. Ce n'est pas ton pays. Tu ne peux pas chanter en Guéré. Tu es Guéré, non? Tu ne peux pas chanter en Guéré. Tu es chanteur traditionnel, là, tu as oublié d'aller plagier. Tu es allé prendre la chanson de Naïa pour faire Jolie Amina. Ils t'ont siri. Même. Ton couplet dans le truc d'Arafat là, c'est pour les potos là, tu as plagié. Simpa, c'est pour un Congolais, tu as pris. Et puis, ce qui me fait mal, tu peux prendre, ça arrive souvent les fans, de pouvoir prendre des petits mots, mais pas toute la chanson et les accords. C'est pas normal. Tu n'apprends rien, tu n'apportes rien au coupé décalé. Faut faire des morceaux coupé décalé quand tu confirmes là. On n'a pas dit ne pas aller voir ailleurs. Tu peux aller voir ailleurs. Mais donc, le coupé décalé là, ça doit dominer dans ta carrière. Tu dois bien faire ça. Oui, sinon, il a fait featuring avec Naija. Il a fait featuring avec il a fait sortir des morceaux même tranquilles, posés, tectoniques. Il a fait sortir des morceaux toniques même pour des blancs. Oui. Mais il a éprouvé dans le coupé décalé. Il a mis le coupé décalé à un niveau. Il a supplanté le monde et le coupé décalé d'abord. Ce qui vient de chez lui. Tu ne vois pas ton pays. Les Ivoiriens ont été déçus par rapport à Daichi. Toi, tu n'as pas de fans. Judas, toi tu n'as pas de femme. Judas, toi qui n'as pas de femme. Moi je suis malhonnête, je suis escroc. Pourquoi on t'appelle Judas? Parce que tu es un malhonnête, tu es un gros serpent, c'est ce qu'ils ont dit. Tu n'as pas de femme. Il va t'expliquer pourquoi quand Arafat était vivant, tu avais des fans. Tu n'as pas de fans, hein. C'est pas tes fans. C'est des gens qui étaient fatigués d'Arafat. En disant quoi, Jean Arafat, il est âgé, il fait comme ça, que nous on le rend petit. Donc, pour le rendre petit là, les gens se sont mis derrière toi pour le descendre parce que eux ils disent que y aura un poli, y aura un coin. Donc ils pensaient que tu avais des fans. Bon, maintenant il est décédé là, ces fans là ils n'ont même pas pu te donner un trophée dans le premier. Donc tu vois que tu n'as pas de fans. Au fait, c'est des fans virtuels que Sony a acheté pour toi. Donc tu as beaucoup d'abonnés, les gens pensent que tu as fans. Sinon tu n'as rien, tu es vide. Sony, ils font ça pour leur nom parce que les artistes doivent avoir beaucoup d'abonnés, ils payent ça. Les fans, sinon, il y a des fans virtuels. Si toi aussi tu es rentré dans ta gamme, que tu es trop fort, tu as beaucoup de femmes, il a te montré que tu es nul. Parce qu'on a fait plusieurs tournois ensemble, tu as vu qu'en nous deux, qui a femme. On a fait plus d'ici, on dit voter, tu as vu qu'en nous deux, qui a femme. Tu vois un peu?
Donc, je ne suis pas ton frère saint. Voilà, je ne suis pas ton frère saint. Il faut respecter même, il faut respecter. Tu dois respecter. Tu as venu causer des poils à l'homme ici. Couper, décaler là, nous on vend ça hors du pays. Toi, tu as fait quel bon conseil. Les fans, le premier, ou bien je ne sais pas quand, il a fait conseil lui, Fafa là. Conseil là, ce n'était pas mon conseil, hein. Quand vous voulez qu'on parle, on parle maintenant. Au fait, Mola voulait organiser le conseil d'Ariel Chiné. Mais Ariel Chiné n'était pas trop en tas. Donc Mola a vu que s'il fait seul, ça va jeter son argent à l'eau. Donc un esprit là, il m'a appelé. Il lui a dit, ah Dieu père, moi je viens de faire un conseil le 7 septembre. Et puis actuellement là, rappelez-vous, il était très mal en tas même. C'est là que tiens tu es là. Donc il dit, ah le vieux, je ne pourrais pas. Parce que moi ici dans mes bonbons, ici dans mes moments. Le vieux m'a dit, ah oh, mon béni, il faut laisser. Il y en a 10 millions, tu as. C'est bien sûr, on met dans l'esprit que c'est un face à face et puis tu as tué mon petit pardon, paye là, quoi. Il lui a dit, ah moi en tout cas ça m'intéresse pas, paye moi là, ici dans ma gamme. Pas que ici dans ma gamme, mais si tu fais un conseil, ça m'inquiète moi seul, mais pas pour le moment, paye bien un conseil, laisse-moi y souffler. Parce que, rappelez-vous, c'était en décembre, il y avait beaucoup de gombos. Ceux qui connaissent ça, décembre c'est la traite des artistes. Et puis quand tu es en tact, tu imagines, tu as combien de gombos par jour? Donc il dit, ah, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas avoir le temps de répéter, il n'y a pas avoir le temps de répéter mes chansons, il n'y a pas avoir le temps de me reposer tout. Parce qu'ici, il y a déjà signé des contrats, mon destin est déjà bouclé jusqu'au 15 janvier. Il y a tous les spectacles. Il m'a dit, mon petit, ça là, ça ne m'intéresse pas. C'est qui est sûr, il faut être là seulement, le coin va briller. Et puis il a dit, ok, il n'y a pas de le vieux. Donc il m'a donné mes 10 plaques. À la veille même du concert, même du 1er janvier ou bien quoi là, moi, il était chez le DG d'Orange. Avec les ministres là-bas, les Ahmed Bakayoko, les vieux pères là, sois salué papa. On était là-bas le 31. On est quitté là-bas à 5h du matin. Il n'a même pas dormi. On a fait une petite répétition, vite. Là. Et puis on est parti là-bas. Juste pour boucler le point. Sinon, toi, tu ne peux pas chanter. Tu ne sais pas chanter. Il y a vous dit aujourd'hui, ceux qui jouaient, genre les arrangeurs là, bon, pas tous, hein, mais il y a des arrangeurs là, eux là, comme Ariel, comme ça là, il met autotune dans sa voix. Autotune, ça a arrangé la voix. Quand tu fais, yeah, on pense que tu as fait. Yeah! C'est faux, il vous blague. Quand il va au concert, il y a son autotune, il y a son ordinateur, on règle sa voix dedans. Et puis il chante. Dans son studio, on règle sa voix, il règle sa voix lui-même. Il ne fait pas d'efforts, il ne sait pas chanter, il parle. Quand vous ne connaissez pas, il entend vous baigner comme ça. Quand on dit vrai chanteur là, dedans, mais il dit sec là, pour monter, chante, on voit. La plupart des arrangeurs là, c'est ce qu'ils font. La plupart des arrangeurs, c'est les chanteurs là, c'est ce qu'ils font. Peut-être que ce n'est pas eux tous, il n'y a pas de problème. Mais la plupart, c'est ce qu'ils font. Si les garçons, ils n'ont qu'à sortir de son studio pour aller faire son un champion ou bien quelqu'un d'autre. Et puis ça a moussé, ils n'ont qu'à laisser autotune. Vous avez déjà entendu aller avec une chanson dans un autre studio. C'est un autre arrangeur qui a arrangé, puis ça a pris. Jamais de la vie, il est toujours dans son truc là. Parce qu'il va régler sa voix, régler. C'est ça? Toi là, tu dois ta carrière à Yoro, c'est Yoro qui t'a mis en haut. C'est Yoro qui t'a mis en haut. Faut respecter. Voilà. Faut respecter. Il a dit quoi encore là même dans ce truc là. Il a dit quoi encore dans son direct là même. Je sais pas, il a dit quoi encore là. Il a oublié ce qu'il avait dit là. Tu avais dit un truc dans ton direct là. Tellement tu es bête. Que non, c'est mamie, c'est l'auto. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Toi, tu sais chanter, tu connais chanteur. Ah, tu chantes que DJ Mix. Tu chantes que De Bordeaux, Likoufa. Tu chantes que Ernest Ronaldo. Tu chantes que Shaggy Sharoufa. Tu chantes que DJ Léo. Voilà les chanteurs qui engorgent. Plus moi-même, tu chantes pas que moi, hein, petit, détrompe-toi. C'est pas je veux vendre le local. C'est ce qui est pour moi, c'est ça qui est là. Je n'ai jamais allé faire Naija pour dire me concentrer dessus. Si vous m'avez vu en train de faire ça, les fans, c'est pour montrer ma polyvalence à Judas. Si tu t'amuses moi-même, maintenant là, je vais te montrer que ce que tu fais là, c'est rien même. C'est-à-dire que j'ai fait ça à côté comme ça, et puis je me concentre sur mon coupé décalé. C'est-à-dire que les sons là, ça a sorti jumelé sur toi. C'est deux. C'est-à-dire qu'un son coupé décalé, un son de variété, n'importe quel genre. Mais je n'ai même pas m'occuper de ça. Je vais mettre ça comme ça pour que mes fans n'ont qu'à se borrer ça. Pour montrer qu'on peut faire ça, mais ça ne vient pas de chez nous. Ça ne peut pas rapporter quelque chose à nos pays. Donc on est gamé sur coupé décalé. Il a parlé de quoi là-même. Je ne sais pas si c'est
ce qu'il a signifié dans son direct quand même. Est-ce que Meyer lui a bien répondu à tout même? Il y a un gars comme ça là. Toi tu es quoi? Quand avant de me descendre, si c'est danser, oui, quoi, quoi. Mais faut avoir, comment on appelle ça? Faut savoir chanter. Là tu as tué. Mais si c'est chanter là, c'est que tu es déjà mort. Mais c'est chanter. Mais je suis obligé de faire mon style. Ce qui peut relever mon pays, ce qui peut montrer le drapeau de mon pays au monde, ce qui vient de chez moi. Si tu n'es pas coupé de rêves traditionnels, non. C'est être traditionnel là, les mandingues là. Et ils prennent les Grammy Awards, les MTV Awards. C'est être traditionnel coupé de galets là. Yoro a supplanté le monde là. Puis tous les trophées là, mais tu étais vivant. Et tous tes collègues qui raffinent coupé de galets aussi là. Yoro était devant. Et ton raffinement de coupé de galets, et moi mon coupé de galets traditionnel brut comme ton patron, ton ancien patron qui est fait là. C'est ça qui m'a donné le trophée plus que toi. Pourtant, on est de la même génération. Mais si c'est chanté là, tu es déjà mort, paye, c'est chanté. Bon, ça c'est pour te faire tomber. C'est-à-dire que pour t'appuyer là, tu dois savoir chanter, c'est ce que tu as dit. Donc, tu es déjà appuyé, paye, c'est chanté. Maintenant, moi, pour m'appuyer là, tu dois faire quoi? Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. De un, pour m'appuyer, pour me gagner, il faut être beau d'abord. Parce que tu es très vilain. Ton teint est sale, toi-même tu es sale, tu es crasseux, tu as une grosse tête, tu es un nez pâteux et ta bouche là, on dirait quand ils ont baisé, quand c'est fatigué, les lèvres là sont enflées et puis ils ont pris comme ça et puis ils ont tourné comme ça, ils ont mis comme ça, c'est ça qui fait ta bouche. Tes dents, je ne sais pas, il y a quoi de ça. Ça fait un d'abord. Pour me descendre, il faut être beau. Pour me descendre, il faut savoir danser. Pour me descendre, il faut être très créatif. Pour me descendre, faut être très rapide dans couper décalé. Faut être très créatif aussi dans couper décalé. Et pour me descendre encore en dernier, faut avoir plusieurs voix. Oui. Est-ce que tu entends? Donc qui est fort qui est son ami? Moi pour me descendre là, les obstacles qu'il y a là, c'est au moins 5 ou bien 4 parce qu'il faut être beau. Toi qui es bien vilain. Il faut être créatif. Il faut être très rapide. Il faut savoir danser. C'est 4 obstacles. Maintenant, toi, pour te descendre là, il faut savoir chanter seulement. Bon, même si tu mets, il faut savoir arranger dessus. C'est 2 obstacles. Donc, je suis fort que toi. Les fans, béton là. Football béton là. Il faut mettre plusieurs coups de marteau. Bon, pour moi là, pour boire mon béton là, tellement ici fort. Quand tu es fort, tu es un dur. Quand tu es un dur, pour te boire, il faut 4 obstacles. C'est ça qui est la beauté. Le savoir danser, l'inspiration. Il faut être inspiré, il faut être créatif. Voilà. Et puis, il faut savoir danser. Mais pour toi là, pour te descendre, il faut 2 coups. Mais c'est que tu as du sable devant moi. Moi, je suis un dur que toi, je suis fort que toi. Parce que pour me descendre, c'est pas facile. Il faut beaucoup de choses. Mais toi, pour te descendre, il faut savoir chanter. Si tu es trop fâché, tu vas mettre l'arrangement dessus. C'est fini. Mais c'est que toi, tu es faible. Et tout, clavier, on a rien dit qu'il connaît la type. Tu es un plageur. Toi, là, on doit t'appeler Judas de la Playa Bonita. C'est ton nouveau nom qui est là, même toi. Judas de la Playa Bonita. Parce que tu es un traître et tu es un plageur. Donc, c'est Judas de la Playa Bonita. Voilà. C'est ton nom qui est là. C'est ce que Yoromé devait te donner longtemps. Toi, tu es quelqu'un qui a venu causer l'homme. Aujourd'hui, là, il est bien détaillé, il était bien dit ce qu'il avait à te dire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, bref, à partir d'aujourd'hui, là, il n'est plus fait direct trop même pour te répondre. C'est-à-dire que je peux te répondre de temps en temps pour te donner peut-être un peu de cote. Parce que toi, malgré c'est bizarre, toi et moi, je suis devant toi. Voilà, toi est costaud que toi. En ce moment même, ça ne ment pas. Et moi, je fais du spectacle. Puis je suis créatif. Voilà. Donc, je vais te répondre quelques fois, quelques fois. Mais, je ne vais plus trop faire direct même pour me concentrer sur toi pour parler. C'est le dernier direct. Maintenant, place au travail. Si tu es garçon, faisons couper des calés bruts pendant un an. Il fait sortir un, tu fais sortir un. Ou bien tu fais sortir un, il fait sortir un. Tu fais sortir un, il fait sortir un. Il ne parle pas d'autre style. Il dit coupé, décalé seulement.
coupé, décalé, brut. Là. Allons, si tu es garçon. Ben, on a assez parlé. Place au travail. Place au travail. Mets dans ta tête que dès que le confinement finit, paix est donnée, en même temps, ça a commencé. Allons, on voit qui est champion de coupé, décalé. Maintenant, si tu t'amuses, mais que tu m'énerves même là, tu sais ce qu'il y a fait. Ton zouk même que tu fais là. C'est quelqu'un qui fait un morceau coupé décalé, une semaine après, il sort un morceau de variété. Mais le morceau de variété, il n'y a pas à prendre ça au sérieux. Mais je vais faire ça pour te montrer seulement que c'est rien ce que tu fais. Mais il va me concentrer sur mon coupé décalé. Mais il a fait le morceau de variété là comme ça. Si les fans aiment maintenant, on peut faire clic pour déposer. Et puis il y a feuille. Les morceaux là, ça va venir sur toi maintenant jumelé. C'est les morceaux jumelés qui vont venir sur toi. À partir de là, retenez ça les fans. Là, Judas, ça va que ce qu'il fait là, c'est rien même. Mais ce que nous on fait, c'est plus dur. Il était garçon, il était dit, tatami est déclaré, place à la musique. Tu as demandé une guerre musicale, non? Allons à ça. Dès que le confinement finit net là, le pays est donné. Allons, on voit qui est plus rapide, qui est plus dingue. Il n'était pas vieux là, on a lâché mon nom. Et puis dans le style que tu fais là, souvent il fait ça pour mettre à côté, pour jeter ça quoi, sur mon YouTube, il n'y a pas prendre ça au sérieux, parce que ça ne vend pas mon pays, mais pour te montrer que ici, derrière que toi, sur des deux plans. Et puis en est, pour te montrer que c'est chanté, comme ce que tu fais là, mais ça ne m'intéresse pas, ça ne vend pas mon pays. Il y a me contenter de mon coupé décalé, c'est mon coupé décalé qui a fait sauter, il a fait les derrière clips, il a mettre ça sur la télé, et puis ça a moussé. Maintenant, ce qui est fait comme ça pour vous les fans, pour vous montrer que Judas, ce qu'il fait là, c'est rien là. Ça, il a négligé ça, il a même pas prendre ça au sérieux même. Maintenant, si un, maintenant, vous plaît trop, il peut faire clip. Il a fait décalé, va écouter, allez-y écouter décalé. Ce que Judas fait, et puis il est fort là. Allez-y, le clip est sur YouTube, allez-y écouter décalé. Allez-y. Judas, c'est déclaré. Judas de la Playa Bonita, plageur, c'est décalé. Allons. À partir d'aujourd'hui là, il fait un son coupé décalé, fait un son coupé décalé hein, et puis concept. Il n'est pas dit zouk, coupé décalé puis coupé décalé concept. Tu fais un, il fait un, tu fais un, il fait un, tu fais un, il fait un pendant un an. On voit si tu es garçon. Il a été laissé en route. Tu n'es pas rapide. On voit qui est rapide, qui est dangereux dans coupé décalé. Tu peux envoyer tes pics. Il y a feuille. Tu peux faire des directs, mais après, quand tu as fait direct, tu vas vouloir insulter eux, tu vas faire tes directs. Quand tu as fini là, tu fais direct, moi je te réponds en chanson. Tu fais direct et tu réponds en chanson. Si ça pète trop ma gamme, je te réponds. Si ça pète trop, maintenant dans tes moments de pic-pic là, si c'est trop entré dans mes 6 mètres carrés, t'attrape et te boxe. Je te frappe même, comme mon enfant. Voilà. C'est vrai qu'on est catégorie, mais toi tu me connais. Toi seul là, tu sais que ça va pas dans ma tête. Toi seul, tu peux témoigner ça. Maintenant, quand vous voulez me montrer que vous êtes trop fou, je vais vous montrer que ça va pas dans ma tête. Tes pics, tu as envoyé là, faut bien envoyer quoi. Le jour que ça rentre trop dans mes 2,5 mètres là, il t'attrape, il te frappe, il te boxe. Faut laisser les affaires d'Amédée, les Wéré, les trucs là. Ben, c'est nous tous, nos vieux pères, ils sont là-bas. Les Amara, les trucs là. On laisse tout ça là. Nous, des colo-colo. Il t'attrape, il te boxe, il t'attrape, il te frappe même comme mon enfant, coup de poing. Toi seul là, tu me connais, tu peux témoigner de ça. Petit, c'est moi encore, c'est moi hein, le même à l'école là. Il n'est pas encore changé. Hein? Il est ici à s'agir, mais il n'est pas encore changé, ça peut péter. Et puis toi, Ariel Chéni, c'est ce qu'il te dit là. Si ça monte, tu peux envoyer des pics, tu peux insulter, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu es rentré dans mes 6 mètres carrés, tu attrapes et tu frappes. Tu as demandé musique, non. Allons. Guerre musicale. Tu fais sortir un, concept, un coupé de galère, n'est pas du concept. Allons. On voit qu'il va rester en route. Et puis c'est valable pour tout, à partir de toi, à partir d'Ariel Chéné. Il y a tout en bas là, c'est valable pour tout le monde. Il y a des gens, mais ils ne veulent même pas répondre, même en direct ni en musique. Tu fais direct, tu parles de moi, tu m'as dit mon nom, tu fais les trucs, moi, il t'attrape, il te frappe dans le noir. Tu as fait vidéo à la lumière. Il t'attrape, il te frappe dans le noir, tu fais vidéo à la lumière. Il ne te répond pas. Il ne veut même pas te répondre dans vidéo. Il ne va pas te répondre dans vidéo. Voilà. Ariel Chéné, toi ici et toi, comme toi tu as demandé guerre musicale, il n'y a pas de rallon dessus. Et puis toi, c'est un peu bien, voilà. Allons dessus, sur guerre musicale que tu as demandé. Ici et toi, mais il t'a dit, il t'a lancé un garant. Tu connais comment je suis, tu connais mon cœur, et puis tu connais dans ma tête que ça ne va pas. Mais il y a foyer. À partir d'aujourd'hui, fais tes pics, fais tes directs, il n'y a pas de droit. Si il peut te répondre, il te répond. Si il ne peut pas te répondre, il te laisse. Mais si tu es trop entré dans mes 6 mètres carrés, il t'attrape et te frappe. Il te boxe. Voilà. Maintenant,
J'ai dit toi, de toi à Rieschene, j'ai quand même tout en bas là, vous vous connaissez là-bas. C'est lui qui a fait direct sur moi. Ou bien c'est lui qui a fait, comment on appelle ça, parler de moi, quoi. Lui-même, il n'a pas fait direct sur lui, il n'a pas parlé de lui dans son. Il a l'attrapé, il a le frappé. En tout cas, si tu marches, que tu as dit, mon nom est direct, mais tu as fait un poste, mais tu as parlé de moi d'une manière là. Quand tu marches, il faut regarder derrière toi. Fais aller là, ça a pété dans ma tête. Donc, je suis comme une bombe à retardement. Donc, si vous êtes malin, chacun n'a qu'à faire son coupé décalé, on n'a qu'à se donner à fond chacun. Chacun va booster le coupé décalé, ça va partir, c'est d'avaler de tout le monde, et puis on d'abat. Sinon, si vous voulez vous jouer les crabes, il y a vous mouillé assez de bruit. Merci, j'ai fini de parler, c'était mon message. On est ensemble. Voilà. Je m'excuse devant tous ceux qui m'aiment, tous les parents, tous les vieux pères qui ne m'ont pas connu comme ça. Voilà, s'il y a dit des mots déplacés, excusez-moi. Mais il faut qu'ils mettent les points sur les i parce que souvent les petits, les prennent les gens pour des poules mouillées ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça le game est, c'est comme ça c'est créé et c'est comme ça va rester. Donc là, souvent il faut leur montrer que tu es garçon. Je ne vais jamais changer devant vous mes fans. Je serai toujours le même Safarel que vous avez connu. Le M Safarel, le tranquille Safarel. Tout me voyez, venez. Je suis même chose envers vous mes fans en tout cas. Mais les artistes là, celui qui me manquait de respect, celui qui est trop amusé, je le porte. En tout cas, si tu as fait un moment. Mais concernant, il faut aller derrière toi quand tu marches. Puis à n'importe quel moment, il peut sortir sur toi. Voilà, maintenant toi, Judas, ici et toi, allons dans Clash que tu as demandé là. Clash musical, allons dedans. Envoie tes pics, si il veut te répondre, si il veut te répondre pas. Mais le jour que tu iras dans mes 6 mètres, tu te frappes. Merci beaucoup.